jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Pas conseil, hein, à lui seulement. Hey, qui t'a balèze? Coup du matos. Hey. Descends, coup du matos. Gang. Descends, coup du matos. Pousse. Coup du matos, c'est coup du matos. Salut à toutes et à tous. Enfin le jour J, le match tant attendu entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, le match d'ouverture de cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je vais vous donner trois raisons de croire que les éléphants vont aller jusqu'au bout dans leur CAN. Raison numéro 3, le commando 27, le commando de Jean-Louis Gasset est prêt. On a privilégié la cohésion de groupe et ce groupe justement vit très bien parce qu'on n'a plus perdu un match officiel depuis la défaite en Zambie 3-0 cet été. Raison numéro 2, le milieu de terrain de qualité, l'un des meilleurs milieux de terrain d'Afrique avec Sékou Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié. Très peu de sélections sur le continent africain peuvent se targuer d'avoir un entrejeu avec autant de qualité. Raison numéro 1, eh bien les éléphants de Côte d'Ivoire sont tout simplement imbattables sur leur base. Vous allez me dire que la dernière équipe à avoir gagné une CAN à domicile, c'était en 2006, c'était l'Égypte. Mais attention à des éléphants qui n'ont plus perdu à la maison au match officiel depuis 2017. Et un match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, c'était face au Maroc, au stade Félix Houphouët-Boigny. Orange.